C'est la chronique du docteur Serge Raphaël, c'est bon pour la santé. Et oui, tous les bons conseils du docteur de Radio J. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Serge, vous souhaitiez nous parler ce matin d'une plante que vous utilisez couramment, vous, en raison de ses propriétés principalement circulatoires et rhumatologiques et du fait qu'elle protège apparemment les fonctions neurocognitives. En effet, Ilana, ce thème m'est cher pour des raisons que vous imaginez aisément, mais il est également primordial pour beaucoup de monde. Puisque les progrès de la médecine permettent actuellement de vivre plus longtemps, avec une espérance de vie de 79 ans pour les hommes et de 85 pour les femmes. Alors autant y arriver en bonne santé, ce que permet, me semble-t-il, le cassis, quand il est utilisé pour ses propriétés médicinales et pas seulement désaltérantes ou apéritives. Alors un mot, Serge, sur cette plante. Le cassis, ou Ribes nigrum, est le fruit du cassissier, encore appelé groseillier noir. Cet arbrisseau, aux baies noires, odorantes et de saveur agréable, peut atteindre 1,30 m de haut. Il pousse dans le centre et le nord de l'Europe, ainsi qu'en Asie septentrionale. Mais il est maintenant également cultivé en Bourgogne. Bon, je sens que vous allez nous parler du célèbre cassis de Dijon. Célèbre, vous avez raison, nous le connaissons tous, puisqu'il sert à la préparation du kir, nom du chanoine et J'adore. Ancien maire, grand consommateur qui lui a laissé son nom. Je ne sais pas par contre qui est Monsieur Spritz, vous savez, cette boisson qu'adorent les Vénitiens. Je plaisante, il n'y a pas d'ecclésiastique derrière, le mot vient simplement de l'allemand Spritzen, arrosé du temps où les troupes autrichiennes occupaient la Vénétie et trouvaient les vins locaux trop charpentés et demandaient aux garçons de café de les allonger avec de l'eau et plus récemment d'y ajouter des racines ou des écorces d'agrumes du Prosecco. Fin de la parenthèse italienne. Bon alors, quelle est la composition du cassis, le fruit ? Il est riche en sucre et en acides organiques. Il contient beaucoup de polyphénol aux propriétés antioxydantes indiscutables qui lui confèrent ses vertus anti-infectieuses et inflammatoires. Il contient des vitamines, principalement B2 et B5, des minéraux, du calcium, du magnésium, du potassium et même une huile essentielle terpénique à l'action cortisone-like. Alors parlons maintenant de ses propriétés. Le cassis est diurétique, légèrement dépuratif, c'est-à-dire qu'il stimule les fonctions hépatiques et rénales. Il est hypotenseur et protège les capillaires, intéressant en phlébologie. Il favorise l'élimination de l'acide urique, soulage les rhumatismes et l'arthrose, raison pour laquelle je le prescris couramment. Et il aurait, je dis bien aurait au conditionnel, une action de neuroprotection qui pourrait prévenir ou retarder la maladie d'Alzheimer, plusieurs études montrant que sa consommation était bénéfique à la mémoire et aux performances cognitives des personnes âgées. On peut consommer le fruit ? Oui, bien sûr, mais il est malheureusement présent sur les étals de seulement d'août à septembre. Oui, ça laisse quand même une petite parenthèse. Alors, vous l'utilisez sous forme de préparation à base de la plante ? Oui, et sous différentes formes, en infusion, 5 g de feuilles séchées, laissées 5 à 10 minutes dans 1 litre d'eau bouillante et dont on boit 2-3 tasses par jour. En teinture mère, 50 gouttes dans un peu d'eau 2 fois par jour ou 3 gélules par jour de poudre, de feuilles ou d'extrait. Mais ma préférence va au bourgeon de macérat glycériné en première décimale dont vous pouvez prendre 50 gouttes dans un peu d'eau, pas du kir, 2 fois par jour. Des effets indésirables quand même ? Non, et aucune toxicité aux doses thérapeutiques, mais il est quand même contre-indiqué chez la femme enceinte. Alors, en conclusion, Serge ? Je ne suis pas persuadé qu'un kir soit une boisson santé, même s'il contient quelques vitamines et des polyphénols. Le cassis, par contre, fait partie des plantes les plus efficaces contre l'insuffisance veineuse et en rhumatologie. Alors, s'il protège en plus les neurones, pas de raison de ne pas essayer cette plante de la tête et des jambes. Un jeu télévisé que vous n'avez probablement pas connu, Ilana. Merci beaucoup, Serge Raphaël. Serge qu'on retrouve bien sûr au quotidien sur Radio J.